Et yo tout le monde, c'est Mustang de retour avec la webcam, ça y est, ça remarche, et on continue du coup notre aventure suivie sur Watch Dogs. Vous l'attendiez, elle est là, donc oui, ça a pété un peu de partout hein, avant que la mission commence, et moi j'étais en train d'essayer de nouvelles armes, puisqu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois j'étais en train de me dire, mais les voitures ça sert à rien de les acheter, puisqu'on peut tous les débloquer en les volant tout simplement, mais c'est vrai que l'argent sert à acheter de nouvelles armes, alors j'ai acheté ceci, l'ACR, qui il a l'arme, la mitrailleuse on va dire la plus puissante du jeu, puisqu'elle est 5 étoiles, et regardez-moi ce... Écoutez-moi ce bruit. Franchement là je pense qu'on va s'éclater avec ça. Sinon j'ai acheté une petite mitrailleuse et tout. Et j'ai acheté un sniper aussi. Regardez-moi ça, pareil, sniper 5 étoiles. On va pouvoir s'amuser, hein, ceux qui aiment d'ailleurs. Ok, mode focus, toi. Boom, headshot. Allez, et du coup c'est parti, on enchaîne la mission avant qu'il y ait les flics qui se ramènent, avec un petit camion de glace. Par contre, niveau mission principale, je sais plus du tout où on en était, puisque ça fait une semaine que j'ai pas joué en fait à cause de mon boulot. Mais on reprend tranquillou. Hey, oh, c'est quoi ça? Passe par derrière, tu verras. Ok, d'accord, c'est sa planque secrète et je pense que c'est pas des glaces qu'il y a dedans. Comme je te l'ai dit, j'ai un... Ah oui, d'accord. Oh merde. Je croyais que tu parlais des explosifs. Ah non, non, j'aurais dit les filles. Mais j'en ai aussi. Bon, j'ai besoin d'aide. Faudrait trouver un moyen d'impliquer ces gars dans une sorte de fusillade entre gangs. Ça m'enlèverait vraiment une épine du pied et... Et puis tu me dois bien ça. Je te dois rien du tout. Bon, allez, passe-moi des explosifs. Quelque chose de pratique. D'accord. Oula. Ces deux sacs à foutre, c'est les restes d'un contrat gabonais. Si tu savais comment ils comptaient me buter. Je suis au volant d'un putain de tank, une grosse cylindrée des 70s. Tu sais, du temps où un accident de la route, c'était une putain de boucherie. Dépêche. Bref, ces deux guignols décident de me rentrer dedans. Avec une chiotte écolo à la carrosserie tout en plastique. Et là, j'entends une sorte de bing et je les vois percuter une camionnette. Tiens-moi ça, tu vois. Génial. Merci. Ça sent l'entourloupe. Ça, c'est pour toi. C'est une bombe adhésive. Regarde. Ça colle. Cool, hein? Bref, ces deux connards sont là à compter leurs dents. Et je sais pas si je dois marrer ou leur gueuler dessus tellement ils ont l'air pathétiques. Alors finalement, je sors mon 45 et je les transforme en passoire. Ça va, lui, il passe des journées sympas. Voilà, tu sais tout. Bon, tu veux bien t'en occuper? Non, pas question. Ou alors on fait ça? Comme ça? Ouais, ce sera une sorte de... d'entraînement. Eh les gars, vous en dites quoi? Jordi. Parfait, j'ai pas besoin de m'entraîner. Attends, je m'éloigne un peu. Jordi! Ok, ça sert de tuto pour poser des bombes. Ok. Enfin, je crois que c'est ça. Détruire. Ok. Non, c'est pas ça que je veux. Grenade. EI, EI de proximité. Engin explosif improvisé. Ah ouais, c'est EI. Ok, les EI sont des bombes adhésives déclenchées à distance. Une fois le EI équipé dans la roue, maintenez, ok, relâchez pour lancer. Maintenez X pour faire exploser et Y pour ramasser. Ok, d'accord. Donc j'avais... merde, c'est pas ça. Scan City OS, grenade, EI et EI de proximité. Ok. EI, donc c'est parti. RB, l'heure, ok. RB, EI. Ok, autant pour moi, j'étais en train d'appuyer comme un con sur l'autre bouton depuis tout à l'heure. Gros fail, ça se voit que ça fait une semaine que j'ai pas joué. Désolé, désolé, ça commence. Donc on se planque. Et c'est parti, on pirate. Et boum! Il y a petite musique. Fabrication, voir le didacticiel. On s'en branle. Et ok, du coup, cassos. Alors c'est parti, on enchaîne la mission. Donc ouais, je ne sais plus du tout où on était. Je me rappelle juste qu'on avait, qu'on était allé espionner les Black Viceroy. Ok, on va remettre la barrière. La briquette Rifiena. C'est là que les hommes d'Irak veulent descendre au Bedbug. Sauf que ça compliquerait mon plan. Ok. Je vais leur tendre une embuscade et me débarrasser d'eux. Irak le saura, la réputation de Bedbug va monter. Et là, il sera à moi. Ok. Donc ouais, c'était ça, ouais. Il y avait un truc avec son cousin qui voulait tuer, qu'on avait sauvé, tout ça, tout ça. Il y avait une entourloupe dans leur gang. Et on s'était laissé là, du coup, atteindre. D'accord, c'est derrière.
Emplacement probable d'un garde. Aha. Y'a pas une caméra? S'il y a une caméra, j'ai pas envie de me faire spotter. Protection. Ok, bon, il y a l'air d'avoir personne. Mais il va y avoir du grabuge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester justement mon ACR. C'est abandonné. Mais il doit rester des caméras de sécurité. Ok, il y a des EI. On pirate ça. Trouver la vidéo de sécurité. Ok, apparemment c'est ça. Ça fait bizarre de nous voir de l'extérieur comme ça. T'es pas fait sauter la tronche? Pas encore. J'essaie de savoir où ces types vont se retrouver pour pouvoir leur faire une petite surprise. Oh, des pièges, c'est bon ça. Ok, il y a la voiture. Ok, faut que je fasse des pièges avec les EI. Préparer une embuscade pour les assassins. Ok, alors. Donc on va en mettre un là. Des traces de pneus. Quelqu'un se gare régulièrement ici. On va en mettre un là. On va en mettre un ici. C'est ici qu'ils font leur business. Un ici. Un ici. Merde. Faut que j'aille me planquer. J'ai 1 minute 30. Bon, ça va, je suis easy peasy. Où est-ce que je peux me planquer pour tout voir par contre? Ah là je suis pas mal je pense. On se met là. On prend la caméra. Alors là je peux faire sauter celle-ci. Je peux faire sauter celui-là. Je peux faire sauter celui là-bas. D'autres traces. On dirait que les voitures viennent des deux côtés. On défie la liste. J'ai encore du temps. Ok. Ok d'accord, on prépare le terrain. Ok ok. Chariot élévateur. Faire exploser. Je vais laisser celui-là ouvert parce que je sais pas s'ils viennent en bagnole ici. Voilà, comme ça je vois toutes les bombes. En 30 secondes, bah plus qu'à attendre, on peut pas accélérer. En tout cas, j'espère que vous avez la forme les amis, j'espère que je vais pas trop fail, parce que généralement quand j'ai pas joué depuis un bail, je fail pas mal. Et en tout cas, pour ceux qui suivent aussi la série Watch Dogs, vraiment vous avez l'air d'apprécier, donc c'est cool. Dites-moi si vous préféreriez sans la caméra, peut-être que ça rajoute de l'immersion pour vous, je sais pas. Mais vu qu'on a commencé avec, moi je remets la cam, hein, tout simplement, c'est juste que j'ai eu des soucis techniques dans les derniers épisodes. Et du coup, allez, moi je vous attends, je suis chaud bouillant. Alors, les Beastroy sont en route, trouve un poste d'observation stratégique. Bah, c'est bon, j'y suis, j'ai trouvé. Espérant qu'ils me voient pas d'en bas, mais... Ah, ils arrivent, je les entends. Boum. Boum. Envoyez la cavalerie. Maintenant. Petite musique de rap, ok. Maintenant on va y aller en mode bourrin. J'en ai défoncé pas mal. Il arrive par là-bas. What the fuck? Ok les Viceroy, on est là, allez. Hop. Bon la CR c'est trop cheaté quoi. Allez, on va attendre qu'ils viennent. Amène-toi mon coco. Ramenez-vous. Yo. Oh genre il est pas mort. Merde. Ça fait des trous là, c'est.
Éliminer les hommes, bah voilà, parfait. Alors, du fric. Ça, c'est quoi? Ouais, je veux le pirater justement, mais. Voilà, ok, fallait attendre le petit truc, que la musique s'arrête. On pirate. Allô? Tes copains peuvent pas venir te répondre là. Ils sont morts. C'est quoi cette conversation? Hé! Hey, y'a encore un mec debout? Y'a quelqu'un? Allez, merde! Merde, il en reste un. Faut que j'aille le buter! Si je le laisse s'enfuir, il dira tout à Irak. Et Bedbug finira par se faire tuer. Les bagnoles. Oh, y'a une moto, parfait. Allez, viens là, toi. Putain, il conduit carrément sur la voie ferrée. Ma faute, tu ne s'aimeras pas. Alors là, je le suis. Je suis obligé d'attendre qu'il y ait des feux parce qu'en moto, je peux pas lui rentrer dedans. Bagnole. Oh putain. Hop, allez neutraliser. Oh oui, c'est bon. Oh, le fail qui se fout, quoi. Allez, viens là, ramène-toi. En plus, il revient vers moi, il est bugué dans sa voiture, je crois. Regardez, il bouge pas. Ou alors, il s'est planqué dans sa bagnole. Boom, headshot, bitch. Allez. C'est parti. Putain, ramenez vos bagnoles. Je vais prendre celle-là du coup. Non, non. C'est fait faire une liposuction. Bah ça te fera du bien de marcher. Putain, allez, dégage. Fais gaffe où tu vas. Hop. C'est parti. Par contre, je vais mettre un marqueur parce que ça ne l'a pas mis. Oh putain, c'est là loin. Ah, cette vue est-elle pas magnifique? Regardez-moi ça. À bord d'une belle bagnole. Juste là, on arrive dans. On est où là exactement? Là, on est jamais... on n'a jamais pris cette rue. Regardez-moi ça, c'est immense. On est où là? Ouais, non, on n'est jamais allé par ici. Ah, c'est super joli en tout cas. J'ai même pas dû. On n'a même pas dû faire la tour City West dans ce quartier. Hop, et du coup, on y est presque. Par contre, quand il nous a dit de retrouver Bedbug, je pensais pas que ça serait dans les quartiers chics. Hop, 130 mètres. Je viens d'offrir à Bedbug la merde, réputation dont il rêvait. Je dois maintenant lui faire peur pour qu'il se range de mon côté. Filet. Un petit chantage, ça devrait le convaincre de m'aider. Ça va, tu me repères pas. Je donne. Je passe par le trottoir. Et je peux aussi reprendre. Allez, casse-toi! Bon, allez, on va le filer à pied. Hein. Et je les identifie à des problèmes de vue. C'est parfait, ça. Appeler. Ok. On se planque. On lui passe un petit coup de fil. Allô? Que tu m'as raccroché au nez. Putain de merde! Mais t'es qui, toi? Un player comme un autre. J'ai un boulot pour toi. Attention, c'est pas un boulot pour Tyrone, c'est un boulot pour Bedbug. Je te rappellerai. Non mais putain, c'est quoi ce délire là? Arrête! Ok, du coup, faut que je fasse quoi? Y'a quelqu'un après moi? Ils sont tous morts! Faut que vous m'aidiez, les gars! Mec, t'as complètement craqué! Qu'est-ce que tu racontes? Non, pas pour rien. Oh! Non, non, attends, attends. Merde. Les mecs trop fidèles, quoi. Pirater le terminal pour afficher les informations de chantage de Bedbug. Pas de soucis. Ouais, c'était là. Putain, mais merde. Et pour la part d'Irak? Non, 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 arrête. T'occupe pas d'Irak, occupe-toi de moi. Non, et on dirait que le club... Oh merde, ça a enclenché la cinématique, d'accord, on l'a même pas entendu du coup. Mais qu'est-ce que tu veux?
et mes oreilles à Rossi Fremont. Non, jamais, mec, Irak va me tuer. Ah ouais? Et il fera quoi quand il verra tout ce que j'ai sur toi? Je te montre la suite. Non! Efface tout ça, s'il te plaît. Sois un bon petit indique et je fais tout disparaître. Je te rappelle. Ok, bon, on a réussi à le faire chanter, donc dommage que la mission... Ah, il est en train de diffuser les images qu'il a fait sur le panneau. Non, et on dirait que le club... Dommage que la mission soit un peu partie en couille au niveau des cinématiques, du coup on n'a pas trop compris, et c'est pas de ma faute, hein, ça s'est enclenché tout seul. Morceau crime, interprète, ok, intervention de justicier, alloué à jouer dans un porno amateur, pas mal. Je sais pas, fais-le, c'est un ordre, t'as besoin de nouveau, tu t'ennuies là, tu l'as dit toi-même. Mais, y'a pas de mais, avec toi y'a toujours des mais, enfin sauf avec moi. T'es con. Ok, alors... Pourquoi t'arrêtes pas de m'appeler? Tu vas me faire tuer, putain! Dis-moi comment je peux approcher Irak. Y'a pas moyen, mec! Laisse tomber, c'est cramé! Il sort jamais de sa planque! T'es sûr de ta réponse? Attends, attends! Les enchères! Il sera aux enchères de Queen! C'est quel genre d'enchères, ça? Du genre privé. C'est pas vraiment une vente aux enchères normale, tu vois. Faut une invitation. Cool, tu vas m'en trouver une. Attends, t'as cru que j'étais qui? Ok, ok. Je te rappellerai. Tiens-toi prêt. Ok, ok, on va devoir aller dans une botte aux enchères. Ça part un peu en nawak. Ok, ça c'est l'autre qui m'appelle. Comment ça s'est passé? T'as trouvé un moyen d'entrer dans l'immeuble d'Irak? Ouais, j'ai convaincu Bedbug, il n'attend plus que mon appel. Parle-moi de la carte d'accès qu'Irak portait. C'est le seul moyen d'entrer dans cette salle. C'est une radio étiquette. On pourrait la cloner, mais tu dois t'en approcher de très près. Irak va assister à une vente aux enchères. C'est l'occasion ou jamais. Oui, les enchères. Tu te rappelles de la mallette qu'Irak avait avec lui? Difficile à oublier. Il a fracassé le crâne de Steve. Ouais, en effet, ouais. C'est ça. Il a dit que la liste des invités était à l'intérieur. Tu peux me remercier parce que je l'ai suivi. Attends, laisse-moi regarder. Alors ça, c'est bien joué. Si on récupère cette mallette, tu penses pouvoir me trouver un nom sur la liste? Un nom que je puisse emprunter? Je pensais justement à ça. Je t'envoie les coordonnées de la mallette. Ok, bon, je faisais exprès de rester ici pendant la cinématique parce que là, il y a un city hotspot que j'ai pas. Alors, Face Fontaine. Hop, parfait, il a chargé, nickel, soupçonné d'association avec des gangs. Ok, je te pirate un peu ta thune. Ah non, c'est un... Tu es où, là? Oh, what the fuck, accident en direct. Très loin, essaye pas de me retrouver. Tu l'as envoyé à l'hôpital, pourquoi? Il est venu m'emmerder, c'est tout. Oh, excusez-moi. Oh, excuse-moi, non, c'est moi. Pas de soucis. Ok, planque de gang, rien à branler. Et là, il y a eu un accident. Participe aux conventions de Fury. C'est le mec qui se vénère et tout, alors que c'est trop de sa faute. Et du coup, on enchaîne, parce que là, il y a eu pas mal de blabla. C'est par ici, c'est pas très loin. On a des points d'intérêt ici, mais rien d'intéressant à faire sur la route. Du coup, let's go. Est-ce que sa bagnole est encore en état de marche? Putain de merde. C'est pas vrai. Non, non, non. Le blackout de 2003 est un avertissement. L'infrastructure critique de police, la ville. Quelle est la nature de votre urgence? Envoyez la police, c'est du sérieux. Personnes ont trouvé la mort parce que la ville a perdu le contrôle. Un hacker a révélé une faille dans le réseau électrique. Ce hacker s'appelle Révoqué. Centrale à toutes les unités, cap CityOS lancé. Le CityOS de Chicago. Cap CityOS ne fonctionne pas, attendez. Ok, donc là je viens d'utiliser un brouillage. Alors, on m'a conseillé de faire ça parce que je le fais jamais. Ah voilà, parfait. Non, j'ai plus qu'à attendre qu'ils arrêtent de me chercher. Hop, et du coup, on retourne à la mission. Alors je sais pas si c'est moi. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que le jeu est plus beau. Alors, je sais qu'il y a eu une mise à jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si... Ouais, j'ai l'impression que le jeu est plus beau. Alors, il y a eu une mise à jour. Je sais pas s'ils ont corrigé des trucs ou quoi, mais... le jeu m'a l'air plus joli. Alors après, ça vient peut-être du fait que j'ai pas joué depuis une semaine. Hop, on démarre la mission. Alors, vente aux enchères, jeu de piste. Il faut que je sois prudent. Si une chose est sûre, c'est que Damien restera pas les bras croisés.
Il a ses propres plans. Bon, pour l'instant, il me faut cette mallette. Et car apparemment, c'est lui qu'on doit suivre. Le bastonnet, est-ce que je t'explique l'importance de la mission? Tu vois cette mallette que tu transportes? Elle contient pas que des noms et des invitations. Elle contient l'avenir de notre profession. Vérification d'antécédents, indiscrétion, tendance. Tout ce dont Queen a besoin pour s'assurer de la loyauté de ses invités, compris? Alors t'as intérêt à en prendre soin comme si elle était remplie d'or. Les pièces, les billets, la carte de crédit, tout! Ok, ok. Alors c'est parti, on le suit. Oula merde, c'est vrai que lui peut me repérer. Alors tu vois la mallette? Oui, elle se déplace. Attends, j'y crois pas. Quoi? Les hommes de Queen essayent de faire un truc très old school. Un échange de mallettes. Non mais sans deck. Ça marche vraiment ces trucs-là? Je sais pas, j'en ai jamais vu en vrai. Pourquoi ils font ça? Ils espèrent tromper le CTOS? N'importe qui pourrait voir l'échange sur un moniteur de surveillance. Ils veulent perturber le logiciel de détection. Intéressant. Hop, il faut que je fasse le tour, parce que sinon le mec du kiosque il va me repérer. Attention. Non, t'inquiète, c'est bon, je le suis, je ne vais pas le perdre. Oups. Je pense qu'il me voit carrément derrière le poteau, mais bon. En fait, il y en a plusieurs avec des mallettes. Ils espèrent tromper le CTOS et ils sont habillés tous pareil en fait. Ok, il va prendre le bateau. Version. Filer le bateau transportant la mallette. La mallette est sur un bateau qui remonte le fleuve. Je vais utiliser ma moto pour le suivre. Je peux peut-être voir où il dirige. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'on a pas loin? Si tu veux mon avis, le trajet va être court. Ils vont sûrement refaire le coup. Ok, hein, la moto est juste là. Non. Non. Là, la vieille marina. Achetée par Lucky Queen en 1967. C'est forcément là. Apparemment, elle est fermée au public depuis les années 80. Ça va être trop bien cette mission, suivre un bateau à moto, quoi. Oh putain. Il va bla vite. Po, attends-moi, mon gars. Cette mission, tiens. Je pensais que ça serait une mission de merde où il fallait juste suivre le gars. Tiens, jusqu'où il va. Faut pas que je me plante, sinon la mission sera foutue. S'arrête ici. J'aurais dû tourner. Hop, hop, hop. Oh putain. Merde, je suis pas mort. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis pas mort. Je m'infiltre. Personne n'a rien vu. Ok. Ok, donc il faut la jouer tranquillou, pépère.
faut la jouer tranquille ou pépère. Je suppose que si j'avance trop, là, il me repère. Ok, c'est bon, il ne me repère pas. Collectionne les posters de pin-up. Ok. Hop, ça c'est fait. Obligé hein, parce qu'il n'y a pas de caméra, tout ça pour merde. Ok, il s'est barré. Okay. C'est bon, on va pas fail, on va pas fail. J'ai un truc à utiliser, j'ai même pas besoin de tuer tout le monde. Échappez-vous de la marina. Pas mal cette mission, j'aime bien, c'est infiltration avec le truc à moto et tout. Je vais t'envoyer la liste des invités. Je sais pas ce qui se vend aux enchères, mais le club ne prend aucun risque. La sécurité sera renforcée. Bon, il te faut une identité crédible. Pas celle d'un client régulier. Quelqu'un qu'ils ne pourront pas reconnaître. Peut-être un étranger. Ok. Voilà. Tu peux te faire passer pour un Monsieur Ping. Non, je pense pas. Y a pas un Européen ? Monsieur Nicolas Ping. Crespin. 32 ans, Américain expatrié. N'est pas revenu depuis 12 ans. Il est sur le phare, et là-bas. Ben voilà. Oh la vache. Y a une liste de ses préférences. C'est un malade, ce mec. Et blindé de pognon. Eh ben, il manquera à personne. Qu'est-ce que tu veux dire ? Clara, si je vole son identité, je peux pas le laisser griller ma couverture. Je peux pas le laisser en vie. Oh. Non, j'imagine que non. Clara, ma sœur a disparu. Et je suis prêt à tout pour la retrouver. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux encore arrêter. Je comprendrai. Non, ça va. Cette ordure manquera à personne. C'est lui qu'il nous faut. Il est censé récupérer une voiture chez un concessionnaire. Ok, je vais l'attendre là-bas. Ok, donc ça c'est fait, par contre le phare ça m'intéresse, rien à foutre, mission accomplie en plus. Plus 1000, parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une sorte de loupe sur ma carte. Le concessionnaire est à Mad Mile. Je dois d'abord pirater le centre de contrôle du district. Ok, donc apparemment je peux pas le faire pour l'instant. Apparemment, je ne peux pas faire ça pour l'instant. Tac tac, qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a un ascenseur, d'accord. On va aller voir, on va aller voir. Je suis curieux. Qu'est-ce qui se cache dans ce phare? Ok, il fallait sortir là-bas pour y aller, on va aller voir. Ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça je peux pas ouvrir. Ok, ok, bon bah je sais pas ce que c'est pour l'instant. Est-ce que je peux sauter sans me casser la gueule? Je pense que oui. Hop. On va vite fait aller voir ce que c'est que cette petite loupe là-bas. Que j'ai jamais vu cette icône. Ingram Deborah, décédé, hémophile, profession caissière. Portée disparue. Ah, un nouveau truc. Avec une petite musique glauque là qui fait des frissons, on se croirait dans un Resident Evil. Faire exploser. La Kodak. Ok, du coup ça m'a débloqué le point d'intérêt de la zone. Ah, 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 il y a un truc. J'ai failli passer à côté. On s'en veut se mêler à son sang à elle. On est des veines du même cœur. Du sang pour la bête. Je l'ai blessée là,
elle est trop forte. Ah, ok, il y a un mec un peu psychopathe qu'on va devoir s'occuper de lui, je pense. On prend le check-in. Et les amis, pour le temps perdu au phare, du coup, on se retrouve directement pour la suite de la mission. Allez, à tout de suite. Hop, et du coup, on arrive et je me gare comme un BG, franchement. Hop, regardez-moi ça. J'ai quitté le phare direct en bateau, du coup. Allez, 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 oui, 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 ouais, voilà, sans tomber dans la flotte. Et en fait, ce qu'il disait, quand il nous disait faut d'abord contrôler le truc CityOS, là, c'était pas pour le phare, en fait, c'était pour la suite de la mission. Il était toujours en train de raconter sa vie pour la suite de la mission. Et du coup, ben, c'est ça, en fait, la suite, c'est que je dois pirater le truc du CityOS. Alors, donc forcément, on va pas passer par là, hein, y a un gros garde. Par les pizzerias, il y a sûrement un chemin annexe. Ok, déjà ici, on peut y aller apparemment. Moi, je me fous de ce qu'il fait pendant son temps libre. Caméra, barrière. On va aller checker ce qu'il y a là. Ok, on peut passer par derrière. Là-bas, il y a une vulnérabilité, j'ai vu ça, donc on va faire ça. Petite rue passante où il n'y a personne, logique. Et du coup, hop. Vas-y, j'ai le code d'accès, tout ça, je passe. Et du coup, here we go. Alors, localiser le mec qui a le code d'accès. Ah bah, lol. On a pris le bon chemin, je pense, direct. Ou alors, je suis tombé pile poil où il faut. Ok, pirater le serveur CityOS. D'accord, d'accord, ça roule. Lui, il est retourné, donc je peux aller là. Alors, vas-y, je veux... Bon, allez, va au fond si tu veux. Alors, caméra. C'est parti. Faire exploser, on s'en fout. On veut pas faire exploser. Ok, donc toi, ta caméra ne m'intéresse pas. Lui, il a une caméra là-bas. Caméra, merde. Lui, j'ai l'impression qu'il était bien mis. Ok, alors là, pour ce... Il y a des mecs qui sont pas contents à l'extérieur, mais j'ai l'impression que là pour celui-là faut. Clé système connecté au CityOS, ok. J'ai l'impression que pour celui-là faut vraiment attendre la ronde des gardes en fait. Genre là depuis tout à l'heure, là je me feuille la mort. Hop, on va reprendre celui-ci, on va attendre. Puis là vraiment s'ils mettent 3 plombs, on va faire leur ronde. Ah non, c'est bon, ok, ils se retournent. Ok, donc caméra, on est d'accord. Ok, donc ça doit être celui-ci, là. Ça doit être celui-ci. Faut que j'attende qu'il fasse sa troisième ronde pour voir. Pas mal, un centre de contrôle CityOS où il faut vraiment gérer avec la ronde. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, ça, c'est pas normal, ça attire ce branleur. Seul ou j'ai rêvé ? Et du coup, je vais pouvoir voir à droite. Ah merde, je peux pas voir à droite, ok, il m'aurait fallu celui là-bas. Ouais, voilà, je pense qu'il me faut celui-ci. Non, apparemment c'est rien. Non, ok, il me faut pas celui-là. Caméra. Attirer. Ah ok, c'était ça, fallait attirer après du coup, ah ouais, fallait lever le store pour que je puisse voir qu'il y avait ça à l'intérieur. Pour que ça l'attire, ok, il manquait un truc. Et grâce à toi, je vais m'infiltrer, moi. Hop, let's go. Alors, ok. Ok, je regarde un petit peu avant de déverrouiller, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ok, faut aller vers le bas, c'est parti mon kiki. On déverrouille. Tac tac les deux là. Ok, c'est pas ça. Ok, c'est tout con, il fallait juste le mettre dans le premier sens. Donc là ça continue, donc on peut le déverrouiller comme ça. Comme ça. Hop. Et voilà. Bon, j'ai un peu galéré mais c'est bon. On est dedans, du coup. Ah, des petites vidéos marrantes pour finir, ça va être pas mal. En plus, on n'a jamais les mêmes, donc ça, c'est pas mal.
On commence par quoi? Regarde, chérie, ils sont les mains. ouais, je suis comme ça, moi. Un mec à poil qui danse. Qu'est-ce que tu vois, hein? On m'appelle Brad Billy, je suis le roi des poulets. Et paf, sans les mains. Yoga. Allez, à toi maintenant. C'est disco, rocco, disco. Je te vois dans mon télescope. Tu kiffes, hein? Grosse régalade, ma chérie. Ok, donc un mec à poil qui... Combien de données le CityOS récupère-t-il? Il fait des trucs et là apparemment il y en a où rien. Où garde-t-il les infos? Et pour en faire quoi? Hop, il y en a un ici. Alors moi en tout cas j'adore regarder ça vraiment, à chaque fois c'est marrant. Kona. Attention. Dangereux. Mais tu vas fermer ta gueule. Putain, mais ferme-la. Niveau sonore élevé, y'a marqué. Tu portes plus, tu comprends ça? Déménage. Ok, alors ensuite, on enchaîne. Là, y'en a pas, là, y'en a pas. Y'en a un autre ici. Généralement, y'en a que 3, voire 4. Ah, un bébé qui dort. Nursery Cam. 2 mois. Ok, avec sa mère par-dessus. Ok, d'accord, un petit truc mignon. Au début, après, je me suis dit, putain, il va se passer un truc glauque et tout. Mais non, pas du tout. Ok, ça, ça a l'air d'être la dernière. Miroir de la salle de bain. Ok, il a une caméra dans son miroir et il s'entraîne à rouler des pelles. Ok, bon, rien de vraiment très sympa dans ce centre CityOS, mais du coup on a débloqué la nouvelle zone et on ira explorer ça sûrement dans le prochain épisode pour la prochaine mission. Donc maintenant j'ai plus qu'à me... Oh putain, on va peut-être pas faire le fifou parce que là si je me fais repérer... Hop là, non. Ouh, ça passe. C'est bon, on quitte la zone. Udada. Hop. Elle était là, sous mes yeux. Et en une seconde, elle avait disparu. On est sous choc. Bon, voilà qui est fait. Au tour de Crispin maintenant. Ok, donc là je vais avoir un appel. Oui, bonjour, c'est Aiden, l'oncle de Jackson. Je voulais simplement m'assurer que tout allait bien. D'abord, je veux savoir comment va Nikki. On n'a reçu aucune nouvelle d'elle. Elle a encore quelques problèmes à régler. Il va lui falloir un peu plus de temps. Dites-lui qu'elle manque beaucoup à Jackson. Elle devrait au moins l'appeler. Il est de plus en plus agité. Il n'est pas heureux ici. Je comprends. Je lui dirai. Si jamais vous avez un problème avec Jackson, s'il s'échappe ou quoi que ce soit, appelez-moi directement. D'accord. Prenez soin de votre sœur. Oui. D'accord. Ok, et du coup, je ne reçois pas d'autres appels, c'est bon. Bah les amis, on va se laisser là, sur ce magnifique soleil. Hop, toi je te pirate aussi. Hop, arrête tes conneries toi. Lâche ce téléphone. Mon dieu, mon dieu. Alors en fait ça, avant qu'on se quitte, je crois que je l'avais fait en off, en fait j'avais eu un didacticiel. Vous voyez les gens qui ont des liens avec Bloom, donc Bloom c'est l'organisme qui gère le CityOS. Si je les pirate, eh ben ils peuvent appeler les gars de Bloom pour essayer de me choper en fait. Pour ils repèrent en fait, eux leur téléphone arrive à repérer quand je les pirate. Mais bon, c'est toujours sympa. Donc du coup, les amis, regardez-moi ça, c'est type à beau. Ouais, j'ai l'impression que le jeu est beaucoup plus beau, quoi. Du coup, on se laisse. Moi, je vous dis peace et on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 13. Allez, salut tout le monde et à la prochaine.